Eh bien, salut tout le monde, c'est Fireglass. On se retrouve ce soir en compagnie de Torgol pour ce cours de japonais, du coup. Bonsoir Torgol. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Merci à toi, Trévelienne, enfin Cairo, hein, parce qu'on va passer. J'ai pas. Hein, voilà. Je me fatigue pas. Oui, premier à écrire sur ce chat, c'est incroyable. Donc, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont regardé la rediffusion sur ma chaîne YouTube du premier cours de japonais, comment dire, la salle de classe a un peu évolué. On va dire que maintenant il y a un numéro de classe, il y a la date, hein, au-dessus de moi. Il y a le nom des sensei un peu plus loin, enfin le prénom, pardon, des sensei un peu plus loin. D'ailleurs, il faut que je le modifie, il faut que je mette les noms. Et, ouais. Et vous comprenez pourquoi, justement, pendant ce cours. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, aujourd'hui,
Le thème d'aujourd'hui, c'est la présentation. Alors un jour, je vous jure, un jour, je vais mettre un endroit, quelque part, en plus de par là, de quelque part, voilà, là où on est. Il va y avoir un jour un endroit pour vous dire le thème. Il sera écrit, genre à chaque fois, le thème sera écrit, comme ça, voilà. Donc du coup, attention, vous allez voir le cours apparaître, c'est magique. Hop, voilà. Alors, ma grosse tête gêne un peu, donc il y a des chances que par moment elle dégage le temps de certains trucs. Bon, vous en faites pas, hein. Soit elle dégage de toute façon, soit elle part au niveau du chat. Sauf que bon, il faudra que je règle encore, hein. C'est des petits problèmes à régler, hein, mais vous en faites pas, ça sera réglé pour la prochaine fois. De toute façon, je peux pas faire une scène parfaite, c'est impossible, hein. Il y aura toujours un défaut quelque part. Mais vous en faites pas, elle sera bien mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, du coup, hop, je me fais disparaître parce que sinon c'est un peu compliqué. Hop. Alors, examinons et apprenons. Donc, on va commencer. Donc, Azuki-san qui dit. Donc Azuki-san, donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne le savent potentiellement pas, du coup, même, bien c'est tout simplement moi. Alors, attendez, parce que j'ai des petits trucs qui ont bougé entre-temps. Je vais juste checker s'il n'y a pas d'autres trucs qui ont bougé. Que j'ai des choses en plus, moi. Je fais un rapide check. Non, t'as des choses en moins, justement. Ah. Alors. Hajime mashite, minasan. Watashi wa Fayagrass Azuki desu. Kino. Non. Kimi no sensei. Normalement, je crois qu'il y a un des à la fin, mais je suis pas sûr. 18 saï des. Fransujin des. Fransugo to heigo to nihongo ga dekimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Donc, on va analyser, du coup, ce premier bloc. Et ensuite, vous verrez le magnifique second bloc. Voilà. Alors, pour commencer, donc, on a Hajimemashite, qui en gros signifie enchanté. Voilà. Donc, hop, attention, bam, ça apparaît. Incroyable, hein. Voilà. Ensuite, nous avons Mina, donc Mina qui signifie tout le monde. Alors, normalement, on dit Mina-san parce que c'est plus respectueux, justement. Donc, d'où le san qui est derrière le Mina. Ensuite, Kino. Alors, Kino. Il faut savoir que j'en suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, mais je me suis un peu aidé en cherchant à droite et à gauche, et il semblerait que ce soit votre. Donc normalement, ça ne devrait pas être une erreur de ma part, enfin sauf si erreur de ma part, censé être votre. Donc je suis votre professeur, sauf que je ne suis pas sûr si on met des à la fin ou si, enfin, s'il est obligatoire ou pas. Attendez, parce que en fait j'ai un peu tout décalé sans le vouloir là. Je sais pas comment j'ai fait pour tout décaler. Voilà. Voilà. Alors du coup, on arrive donc à Sai, qui est ce kanji-là. Donc il y a pas mal de kanji dans ce cours. Donc j'en ai pas mis beaucoup en dessous, dans le Dans à le la toute fin. vocabulaire. Vous en faites pas. Donc, voilà, dans le vocabulaire, merci. Voilà, donc Sai. Donc qu'est-ce que Sai? Eh bien Sai, c'est tout simplement l'âge. Du coup, voilà. Alors vous en faites pas. Hein, si à la place de faire ce kanji-là, vous faites un O en katakana. Les gens vont le savoir, vont comprendre. Dans une phrase, les Japonais comprendront parce que ils sont pas débiles non plus. Hein. Tu mets genre que t'as Juroku Sai, tu vois, genre ils vont se dire, enfin ils vont pas se dire, tu vois, Juroku Ho, tu vois, ils vont se dire non, c'est Sai. C'est juste que le gars il a foiré son kanji ou que voilà. Mais généralement, vous le verrez souvent en haut parce que les Japonais, vous savez, même s'ils connaissent leur kanji, ils ont l'habitude de se faciliter un peu la vie. Ensuite, second kanji qui cette fois va être important, puisque vous l'entendrez souvent, c'est Jin. Pardon, c'est Jin. Parce que Jin, c'est pas la même chose. Donc, Jin qui est le kanji de la personne. Voilà. Voilà. Vous avez ensuite donc le Go. Alors, Go, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le kanji du langage ou de la langue. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ah, ça va vite, hein. Tout Je vous le. ça en sino-japonais. Voilà, alors bien évidemment, c'est tout ce temps en chino-japonais, mais c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je tiens à dire que c'est. Moi, je. Là, c'est du parler, c'est clairement du parler.
Ensuite, on va partir de la particule. On a la particule tau. La particule tau qui est la particule de liaison, qui va en gros être la particule qui va signifier le mot qu'on utilise pour dire je mange du pain et du beurre. Eh bien, voilà, tout simplement. Donc, elle lit les différents sujets entre eux. Voilà, elle se traduit donc par et. Ensuite, nous avons la particule ga, qui cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, on avait la particule ka, me semble-t-il, la dernière fois, on n'avait pas de particule ga. Dans le doute, de toute façon, les cours seront bientôt mis quelque part et exhibatus, en faites pas. Donc, on a la particule ga qui est la particule qui va lier tous les sujets au verbe. Et bam, particule de ka. Et donc, c'est même le sujet grammatical qu'on va pouvoir retrouver grâce au ga. Donc, à pas confondre, hein, le sujet grammatical est différent du sujet. Du sujet thème entre guillemets qu'on retrouve avec le wa. Ensuite, on a le dekimasu du coup qui est le verbe pouvoir faire tout simplement qui est conjugué parce que sinon on dirait je pense qu'on dirait dekiru si je ne dis pas de conneries. Voilà. Si t'es pas conjugué, on dirait dekiru, il me semble. Je préfère le redire pour être bien sûr. Non, c'est deku, deku, deku. Enfin, je me renseignerai, vous en faites pas. Voilà. Ensuite, on a le Yoroshiku Onega Ishimasu. Alors là, c'est tout un bloc. C'est-à-dire que le Yoroshiku Onega Ishimasu, dans une présentation comme le Hajime Mashite, d'ailleurs, vous les retrouverez les deux à chaque fois. Si vous les retrouvez pas, c'est que soit le gars est impoli, mais putain d'impoli, hein, parce que c'est quand même assez important, hein, pour les Japonais. Soit qu'il en a rien à foutre, et dans tous les cas, ça fait qu'il est impoli quand même. Voilà. Donc, Yoroshiku Negaishimasu qui signifie je m'en remets à vous. Voilà. Ça allait vite, hein. C'est le premier bloc, vous en faites pas. Alors, maintenant, on va un peu décortiquer tout ça. Donc, traduisons, traduisons. Enchanté tout le monde. Je m'appelle Fireglass Azuki. Je suis votre professeur. J'ai donc 18 ans. Je suis français, je parle français, anglais et japonais. Je m'en remets à vous. Donc voilà, tout simplement. Alors, si jamais à un moment vous avez des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, posez-les. Voilà, on y répondra. Il y a aucun problème. Ah mais genre même en fait, ceux qui posent des questions, c'est même en fait ceux qui vont peut-être permettre à d'autres qui n'oseront pas les poser. De potentiellement mieux avancer. Donc du coup voilà. Voilà donc on a déjà vu ces kanji là donc je les ai remis. Je me suis permis de remettre le Nihon dans le truc puisqu'on les avait déjà vus. Et en dehors de ces kanji il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y a le Watashi donc qu'on avait aussi vu me semble-t-il la dernière fois qu'il fallait Oui. apprendre le kanji pour dire je. Enfin Watashi wa hein, précisément pour dire je, puisque sinon c'est tout ce qui est en liaison avec moi, le watashi. Voilà. Ensuite, passons à la seconde phrase qui cette fois-ci est légèrement différente. Vous voyez qu'il y a deux petits trucs qui se sont rajoutés. Voilà. Et cette fois, c'est donc la phrase dite par Miyamizu-san. Non mais Donc. tu forces par contre. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, j'ai essayé de m'adapter, tu vois, je me suis dit, toi, t'as un meilleur niveau en kanji, mais En kanji. en kanji, si, quand même, t'en as appris pas mal. J'en connais moins que toi, hein, c'est pour ça. T'as un meilleur niveau en kanji, mais Suis à une trentaine actuellement. j'en connais ouais, trentaine aussi, ouais, ok, d'accord, on a un niveau similaire. Enfin, j'en Mais connais peut-être un peu après plus, parce que, je non, en vrai, j'en connais un peu plus, parce que j'apprends pas mal sur OpenQ, donc je devrais en savoir peut-être 40-45. J'en fais 8 par jour. Oui, voilà. Ça va Moi, vite. Non, mais à contrario, tu vois, genre sur une BenQ, je passe peut-être 1 heure par jour à faire mes tests de kanji en boucle, jusqu'à ce que je les sache par cœur. c'est ce que je fais à peu près. Bon, Mais le voilà. problème, c'est surtout les lectures des kanas, quoi. C'est bon. Oui, Là, je les mais. connais, je viens de terminer, mais bon. Oui, mais justement, tu vois, il faut l'ancrer. Donc, au plus, tu vois, tu verras de kana, au plus, tu entendras le truc, au plus, tu vas le faire. Parce que si je passe tout en kanji, en fait, tu vas galérer ta race. Oui, attends, parce que je suis en train de voir. Du coup. Du coup, passons. De toute façon, toi, t'as la fiche, t'as juste. Bah, j'ai déjà marqué ce qu'il y avait qui allait pas de. Enfin, qui manquait sur ton truc que je t'ai envoyé. Donc, Hajime Mashite. Toru. Alors, ça, déjà aussi, c'est une erreur que j'ai fait.
Et ça, je vais la rectifier de suite. Contrôle X, pardon, pas V. Ah putain, j'ai fait une belle connerie. J'ai balancé mon truc sur le truc. Quelle intelligence, franchement. Hein. Hey, il est vraiment pas mal ce Fireglass. Hein. Moi, je dis. Ouais. Vraiment con, hein. C'est incroyable. Voilà, donc c'est le nom de famille qui est normalement toujours. Et ça, je l'ai fait aussi sur les exercices. Je vais me faire taper dessus. Voilà, donc du coup, bon, l'exercice, je recorrigerai quand on y sera arrivé. Donc du coup, hajime mashite. Miyamizu Torugoru des. 17 sai des. Alors, je précise, hein, le kanji a sauté parce que je sais pas s'il le connaissait ou pas. Fransujin mo. Et là, le mot est très important. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mettre des. Ça aurait été juste. Cependant, mo est une particule qui, dans ce cas-là, va désigner aussi. C'est-à-dire qu'en gros, genre, ça va appuyer les propos qui ont déjà précédemment été dits. C'est-à-dire que j'ai dit que j'étais français, et donc lui va rétorquer, du coup, dans sa propre présentation, que lui aussi, du coup, est français. Donc, voilà. Elle va de pair avec le sujet, effectivement, aussi, comme je l'ai noté. Et signifie donc aussi dans ce cas-là, parce qu'elle a plusieurs utilisations, c'est comme la particule D qui se verra un jour, peut-être. Ensuite. Fransugo to Eigo. Nihongo Skoshi ga dekimasu. Alors là, le Skoshi, c'est un truc que je doute un peu, mais il me semble que c'est ça. Le Skoshi est bien placé. Le Skoshi, pardon. Est bien placé. Pourquoi je doute? C'est parce que, je vais être franc, hein, j'ai utilisé quand même pas mal de traducteurs pour être sûr de ce que j'écrivais à un moment, parce que je savais plus où il se plaçait exactement. C'est-à-dire que je sais plus si on le plaçait directement après le go ou si on le plaçait après le ga. Et quand je dis directement après le go, c'est par exemple genre si je l'avais mis devant le nihongo, tu vois, si je mettais ce que je suis après ou si je mettais après le ga. Sauf que ça a l'air d'être mieux comme ça. Donc le skoshi qui veut dire un peu, justement, un peu ou peu, donc du coup, c'est-à-dire voilà. Hein. Je sais peu parler tel truc, ou il y a peu de choses, ou j'aime un peu. Enfin, vraiment, c'est Skoshi va être utilisé dans pas mal de choses, mais là, dans l'occurrence, c'est je parle un peu japonais. Du coup, Yoroshiku Negaishimasu, bien évidemment. Voilà, donc je m'en remets à vous. Vous, donc, très chers élèves, hein, qui êtes là, hein, ça se voit. Hein, voilà. Absolument pas. Hein, voilà. Bien sûr que si, ils sont là. Merci d'ailleurs, Torgul, de répondre dans le chat aux questions qui sont posées par Keiro. Pas de problème, je suis là pour ça. Hein. Écoute. Voilà. Alors attends. Hop. Journée très très stressante aujourd'hui, donc bon, on va se détendre. Hein. Oui, mais t'inquiète, c'est que de la détente là. Là, c'est de la parlotte. On est tranquille. Donc. Alors, je fais une petite aparté. Vu que on en a discuté avec Torgol, si un cours va trop vite et qu'on fait pas les 2 heures, enfin, on n'a pas les 2 heures avec le contenu du cours qu'on a fait, on a prévu d'essayer, enfin, de faire en vocal, du coup, nous deux en tout cas, des exercices vocaux, en gros, pour refaire des présentations. C'est-à-dire que on va s'inventer, par exemple, là, enfin, pour le coup, là, c'est de la présentation parce que le thème, c'est de la présentation, ça aurait été. Ça n'aurait pas été de la présentation aujourd'hui, ça aurait été un autre thème, mais enfin un autre sujet qu'on aurait fait en vocal. Mais en gros, on va devoir, si jamais on tient pas 2 heures, avec ce que j'ai écrit, on va devoir du coup s'inventer un prénom, s'inventer un nom de famille, s'inventer tout un contexte, genre un âge, on vient de tel pays, on parle telle langue, et refaire une présentation du coup en japonais, en présentant le personnage entre guillemets qu'on va jouer, et on va le faire à tour de rôle, peut-être une ou deux fois, pour que ça s'imprègne bien et que déjà on ait ça dans les pattes, nous, ça nous aidera. Vous, faites-le aussi chez vous, hein, ça peut toujours être utile. De toute façon, quand on le fera, le contenu donc du cours, donc, c'est-à-dire cette phrase-là et la mienne, vous seront. Alors ça va être un peu compliqué d'afficher les deux. Bon, j'afficherai celle-ci parce qu'elle est un peu plus propre, mais il y a moins de couleurs, surtout pour ça. À moins que vous préfériez
que j'affiche celle du dessus, et dans ce cas-là, pour ceux qui sont sur le live, je mettrai celle du dessus. Voilà, voilà. Alors, comment attends, mais comment on lit le japonais? Genre les caractères, c'est des lettres, des mots entiers. Alors, chaque caractère représente une syllabe. C'est-à-dire que le japonais, c'est un alphabet syllabaire. Donc, par exemple, je vais te prendre justement le Hajime Mashite, qui est ici. Enfin, le Hajime Mashite Minasan, plutôt, qui est ici. Là, en fait, on va le lire A. Là, c'est J. Là, c'est Me. Me, pardon. Ma, Shi, Te, Mi, Na, Sa. Enfin, Sa et N. Et oui, le N est la seule lettre qui en dehors des voyelles est seule. C'est-à-dire que vous avez A, E, I, O, U qui sont des voyelles qui peuvent être seules, c'est-à-dire là vous avez un I, voilà. Et bien c'est là vous avez un E aussi, et pourtant il fait un caractère. Vous avez que 5 voyelles du coup qui vont faire un caractère et une consonne qui est le N qui alors, petite mémotechnique, vous imaginez un H qui est un peu penché pour le N en japonais, et ça vous donne du coup vos 6 lettres qui sont uniques, entre guillemets, et tout le reste c'est un alphabet syllabaire qui va du coup avoir deux versions, hein, puisque là on peut voir les hiragana justement sur le Hajime Mashite Minasan, et juste après, après le Watashiwa Azuki, on a Feu A, Ya, Gu, là. Là, le petit dessous pour allonger la lettre suivante, donc ce. Voilà, et ça c'est du katakana. Ceci c'est de. Ça c'est de l'hiragana. Et ça c'est du katakana. Voilà, je pars du principe, hein, je le dis, hein, je le redis plutôt parce que je l'ai déjà dit une fois, que. On connaît, entre guillemets, tous les deux alphabets. Donc. Peut-être qu'à un moment je ferai des cours pour aider à retenir les deux alphabets et même les apprendre. En vrai, il faudrait y passer idéalement 30 minutes par jour si vous voulez vous y mettre. 30 minutes par jour où vous en apprenez à peu près 5 par jour, vous les travaillez, vous les retravaillez, le jour d'après vous passez à 5 autres, mais vous retravaillez les précédents, etc. En à peu près un mois et demi, vous connaissez les. Toutes les combinaisons et tous les hiragana et katakana. Voilà. Après, les connaître ne veut pas dire les lire rapidement. Ah, voilà. Faut savoir le mieux, généralement, c'est pas forcément de connaître toutes les combinaisons, mais déjà rien que de les connaître. C'est déjà très bien. Connaître les combinaisons, c'est certes bien mieux, parce que vous allez avoir un plus large panel et vous allez pouvoir mieux comprendre. Cependant, en vrai, si vous voyez une petite lettre, comme là, ou comme là, c'est que s'il y a un rapport, il y a une lésion avec. Là pour le dessous, il y aura un moment un cours dessus parce que c'est important pour et pareil en fait pour le petit a parce qu'en fait en gros le feu en fait la seule lettre qui enfin le la seule syllabe qui commence par un F dans tout l'alphabet japonais, ce petit qu'on vient de me niquer les oreilles, c'est le feu. En fait, à part feu, vous n'avez pas de sonorité en F en japonais. Et pour créer du coup un potentiel fa ou un fe, du coup on met feu et à côté on met un a, un petit ta plutôt, ou un petit u, ou un petit pas un petit u, un petit i, ou un petit e. Bon, généralement le i il me semble pas qu'il y ait, mais soit on met un petit e, soit on met un petit a. Et ça permet du coup de créer une sonorité différente du fu de base en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, maintenant, passons au petit 2. Donc, c'est ce qu'il y a à apprendre et à savoir. Donc, en japonais, seuls les amis d'enfance, la famille, les couples, les fiancés, les mariés utilisent leur prénom pour s'appeler. Vos amis, collègues de bureau, patrons, professeurs, camarades de classe et toute autre personne qui vous connaît également vous nommeront par votre nom de famille. C'est-à-dire que, au Japon, si vous vous appelez Fayagurasu Azuki, enfin Azuki Fayaglass, Fayagurasu, putain j'arrive pas, hein, je crois que je vais finir par t'appeler toi Torgue. Et ben, les gens vont principalement vous appeler en dehors de votre famille Azuki
San ou Azuki-kun ou Azuki-senpai. En revanche, si vous avez une copine, si vous avez une famille, si vous, enfin, si vous avez une famille, pardon, c'est pas bien de dire ça, mais si vous avez une famille proche, voilà, plutôt, ils vont dire, du coup, Fayagurasu-kun ou Fayagurasu-senpai ou Fayagurasu, sans mettre derrière de trucs, hein, c'est possible, ou Fayagurasu-san. Voilà. C'est une possibilité après, hein, parce que si jamais vous êtes grand frère, petit frère ou quoi, vous avez d'autres appellations, mais familiales. Ensuite, quand on se présente, on commence toujours par Hajime Mashite, et on finit par la présentation par Yoroshiku Onegai Shimasu. C'est une formule de politesse, et ça, les Japonais, c'est rédhibitoire. Si ça, c'est pas présent dans une présentation, par exemple, parce que vous avez, imaginons, un employeur... j'ai eu du mal, vous avez par exemple une offre d'emploi et donc l'employeur vous reçoit et tout ça, c'est une personne qui parle japonais exclusivement, il vous parle en japonais, vous lui sortez même pas un Hajime Mashite, un Yoroshiku Onegai Shimasu dans votre présentation, vous êtes sûr à 200% que votre employeur, il va faire et puis après, bah en fait, il vous dira, ouais, en japonais, du coup, parce que je le sais pas, on vous rappellera, mais vous êtes sûr à 2000% que l'on vous rappellera, c'est on vous met bien en dessous de la pile, et crois-moi, frère, on te rappellera jamais, même pas pour nettoyer les chiottes. Voilà. Et ça, prenez-le bien en compte. C'est très important. Le Hajime Mashite et le Yoroshiku Onegai Shimasu, c'est important. Pour information, ce sera même pas votre employeur, parce qu'il ne vous prendra pas. Exactement. Alors, j'ai entendu dire qu'en japonais, on prononce chaque lettre, c'est vrai. Oui, oui, toutes les lettres sont prononcées, puisque même le N est prononcé, et par exemple, bah, le Hazuki, vous avez un soufflement en fait sur le H. Hazuki, en fait, c'est vraiment le Hazuki, Hazuki. En fait, il y a un petit... Mais par exemple, on rencontre quand même des cas où, par exemple, le Desu, à la fin des mots, souvent on le prononce Des. Il est mâché. En fait, ça arrive qu'on mâche le... Ça, les syllabes sont mâchées. Mais en fait, c'est pas que pour Des, mais... par exemple, Tabemas, tu vois, genre, en fait, tu bloques, en fait, à partir du S, parce que la personne sait, en fait, que tu vas faire ton U, en fait, parce que c'est un verbe. Et donc, du coup, forcément, bah, en fait, ça, c'est... Je suis sûr à 200% que ça s'est perdu avec le temps, en fait, parce de la prononciation du U en fin de verbe et de phrase en même temps. C'est que... vraiment, genre, à part si vous passez le verbe au passé, c'est-à-dire tabemashita, tu vas pas prononcer ton U. C'est-à-dire que vraiment, si tu manges, tu vas dire tabemas. Et c'est perturbant. Par exemple, mais c'est sinon en plein milieu. Onegai shimasu. Voilà, onegai shimasu aussi. Cependant, en plein milieu d'une phrase, vous n'aurez jamais une seule putain de lettres mâchées. C'est-à-dire que toutes les lettres y sont. Elles sont bien prononcées. Il y a juste vraiment, en fin de phrase, selon ce que c'est, si les c'est lettres, un se... Disons les syllabes, plutôt. Ouais, les syllabes. Les syllabes seront toutes entièrement prononcées, et en romanji, chaque lettre y passera. Mais vraiment, il y a juste le se qui va finir en si il est en fin de phrase. C'est obligatoire, entre guillemets, parce que à l'oral, ils le disent comme ça. Enfin, c'est voilà, c'est comme ça. Donc il y a des chances que même moi en fait à l'oral je fasse. Alors je pense pas que ce soit une faute pour m'en parler, mais il y a des chances que je le sorte bah, comme les Japonais en fait le sortent, puisque j'ai passé quand même 5 mois là-bas. C'est un peu compliqué de casser la routine. Alors. Genre le gars. Ok, on va le genre. Eh bah ouais, j'ai parlé en japonais moi là-bas pendant 5 mois. Alors du coup. Sai est un compteur utilisé pour l'âge. Donc Sai est un compteur utilisé pour l'âge. Mais il en existe d'autres. Ceci sera le sujet d'un prochain cours. Voilà, sachez-le. Quand, je sais pas. Je sais pas si Torgol, tu le feras dans ton prochain cours. Mais logiquement, tu devrais également avoir un très léger passage, je pense, sur les compteurs. Parce que je sais ce que c'est ton cours. Donc voilà. Donc normalement, t'es censé avoir un très léger passage sur les compteurs. Je dois faire des cours, moi. Ok, la mettre. Bah, c'est toi le prochain prof. Ah oui.
Ah oui, ok. Ouais. Je vais envoyer un MP, hein. Je vous préviens, je vais envoyer un MP aujourd'hui, il était d'accord. Hein. Non mais des fois je sors des choses sans les lire, c'est possible. Voilà, hein. Attends, Et il est m'envoyer bien votre ça. deuxième professeur. Alors. Non mais alors aucunement j'ai dit que j'étais professeur. Je suis plutôt élève ici. D'accord, alors Je attends. suis un élève ayant des connaissances, Alors donc attends, je peux apporter certaines connaissances, certaines précisions. je vous lis, Mais et je dis bien je vous lis. tu as des preuves, je rage-quitte ce. Je vous lis, bah non, tu vas pas racheter parce que sinon, bah au revoir. Mais je vous lis ce que j'ai envoyé à 14h21 aujourd'hui. Je te propose un truc d'ailleurs, vis-à-vis des cours de Jap, une fois sur deux on fait prof. Et si on tient pas 2 heures avec ce qu'on a prévu, on fait une discussion en japonais ou des phrases en japonais à l'oral pour s'entraîner, puis on résume le cours. Et s'il manque encore du temps, on tease le prochain sujet du cours en donnant un rapide exemple. Est-ce que ça te convient? Bon. Le monsieur m'a envoyé why not, mais on n'annulerait pas vendredi Mais prochain aussi, ou décaler au moins, il y a le Z-Event MDR. Voilà, hein. alors, par contre, j'imagine que la plupart d'entre vous ont regardé No Game No Life. J'ai pas répondu oui. J'ai mis why not. J'ai mis pourquoi pas. Voilà. Voilà, mais moi je suis désolé, hein. Pourquoi pas, c'est pas un non. Et moi, comme je le dis, qui ne nie pas consent, donc du coup il consentait à ça. Voilà. Donc voilà, tu n'as pas d'excuse. Tu peux vérifier ta preuve, s'il te plaît. Je crois qu'on a eu un problème. Vanikatara, de toute façon j'avais pris un screenshot. Chais. Voilà. Ah, ouais, mais non, mais le problème, c'est que non. Non, chais, ta Ça gueule. sera Il est important de assez. donner. Attends, il est important de donner le plus de détails dans certains cadres, comme l'école, le collège, le lycée ou dans le milieu du travail. Votre présentation sera bien meilleure en étant longue, enfin en étant un peu longue, pardon, qu'en étant bien trop courte. De plus, ça vous aidera toujours pour deux raisons. La première, parce que les gens vont savoir plus sur vous, et la seconde, le fait que les gens savent plus pour vous, ce sera toujours bénéfique parce que vous allez forcément pouvoir faire plus d'amis qui vont être enfin qui vont avoir les mêmes goûts que vous, entre guillemets, ou Honnêtement, qui vont plus être. c'est long, mieux c'est. Voilà. Voilà, en gros, plus c'est long, mieux c'est, parce que généralement, tu te pré... enfin, ça dépend, en vrai, ça dépend, parce qu'il faut pas faire non plus trop long, faut savoir modérer. Mais si votre présentation, enfin, de toute façon, on vous verra dans les exercices, si votre présentation est bien trop courte, ça va servir à rien. Si votre présentation, elle est trop longue, ça, on le verra pas dans le cours, parce que je suis pas non plus le gars qui va vous faire une présentation de 5 heures sur une page entière. Mais une présentation qui est trop longue, ça va ennuyer les gens. Même s'ils sont très respectueux au Japon, hein, ça va les ennuyer quand même. Et une présentation, par contre, qui est parfaite, c'est une présentation où toutes les infos sont données rapidement, vous avez les détails qu'il faut, entre guillemets, même si là, j'ai pas marqué, par exemple, où les gens habitaient, chose que j'aurais pu faire. Mais voilà. Donc, du coup, passons maintenant aux exercices. Voilà. Donc, du coup, vous avez quatre phrases. Alors ça par contre, je vais vous laisser le temps. Vous avez quatre phrases qu'on va voir toutes une par une pour récupérer à chaque fois un mot dedans. Hein. C'est important. Vous avez 4 heures. Non, vous n'aurez pas 4 heures. Vous aurez à trouver ce qui va pas dans chacune des phrases et à le mettre dans le chat ou dans les commentaires. Une fois le temps écoulé, on va dire que allez, je laisse 5 minutes. Une fois qu'on aura tout lu. Une fois le temps écoulé, c'est fini. Je montre les réponses petit à petit en expliquant pourquoi. Et ensuite, on passe au mot de vocabulaire à apprendre. Et je pense qu'effectivement, ce sera vachement court. En vrai, 1 heure sera largement suffisant pour les autres cours, je pense. En vrai, 2 heures, ça va être vachement Par long. contre, Ouais. bon, on dira rien, mais comment dire, pour le vocabulaire, le kanji du chien et le kanji du chat, on aurait pu les mettre, ils sont assez simples. Non, on les mettra pas maintenant. Je pense que à terme, plus tard, quand tu auras eu un peu plus de cours, genre quand tu seras au 6e ou 7e cours, on commencera à mettre des vraiment bien beaucoup de kanji, tu vois, sur le vocabulaire. Mais là, vraiment, il y a pas mal de kanji pour un débutant à apprendre, là, rien que là et la fois d'avant. Donc en vrai, j'ai envie un petit peu de calmer le jeu pour les gens qui apprennent, parce que ça peut vite décourager, en vrai, les kanji. Faudrait qu'on mette en récapitulatif tous les kanji qu'on a vus dans le cours, qu'on le mette aussi dans le vocabulaire. Ouais, non, mais de toute façon, en vrai, non, il y aura un moment, bah, je m'engage à le créer après, il y aura un doc C'est qui pas sera mal. comme les cours accessibles,
Enfin, le doc, le Google Doc sera accessible quand j'aurai fait les Google Docs, mais il y aura un document texte sur mon PC en tout cas qui sera accessible, comme j'ai dit, hein, au niveau des Google Docs quand ce sera fait. Normalement pour le prochain cours ce sera fait. Où en gros vous aurez les kanji et donc l'autre Google Doc sera pour tous les cours qui seront mis bout à bout, petit à petit, pour étoffer à chaque fois. Donc du coup... on commence. Donc, Yumi-san. Donc, du coup, oui, c'est bon. Et là, tu vois, j'ai pas fait l'erreur. Là, tu vois, j'ai bien mis les noms de famille en premier. Donc, Yumi-san. Donc, Yumi-san Sakura. Non, Yumi. Oui, attends. Attends. Faut que je me calme. Yumi Bah, en Sakurades, fait, ouais, parce qu'en fait. Achi Saides, Gakusei des, Gakusei. Voilà, merci. Parce que alors, De rien. j'ai un petit problème qui est que souvent quand je lis là en fait, puis après en fait j'arrive là, et en fait je suis encore avec ça parce que vu que c'est pas moi, je sors le san, alors qu'en fait il faudrait pas. Voilà. Donc du coup, Torgol, Gaxé. Gaxé, qu'est-ce que... Gex, c'est l'élève. Exactement. C'est l'élève. Voilà. Élève qu'on va retrouver d'ailleurs sur la phrase d'après. Donc du coup, je te laisse en vrai tout lire. Ah, en plus, faut que je fasse la phrase d'après. Bah si tu veux, on fait une fois sur deux. Vas-y. Je Ok. fais les phrases compliquées, je fais les phrases faciles. Lol. Tu vas bien galérer. Alors, Uma-san. Hajimemashite. Atashi wa Uma ko. Putain. 2 secondes. J'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai écrit. Attends, non, c'est. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pas. C'est pas. Nicolades. Merci, j'allais dire, j'ai loupé un truc. Donc. Watashi wa Uma Nicolades. Ju Sai desu ne. Gakusei desu ne. Amerika jin desu ne. Eigo to Nihongo ga dekimasu ne. Voilà. Donc, du coup, Uma qui est. Le cheval. Oh bien, très bien. Non mais j'ai reconnu le Voilà, kanji. donc c'est le kanji du cheval. Voilà, donc du coup vous avez les deux façons de l'écrire ici. Privilégié vu que vous le voyez cette version, hein, bien évidemment, parce que ça vous évite d'en écrire deux, de petits idéogrammes. Mais voilà, hein, de toute façon vous avez. Ah oui, d'ailleurs. Eh ben non! Chais! Les réponses elles sont pas visibles parce qu'elles sont comme là. Voilà. Si jamais il m'arrive de descendre un peu trop. Donc du coup, je t'en prie. D'accord, je t'en prie. Bah, c'est à toi. J'ai lu ma phrase. Mais lis la tienne, je ferai la dernière. D'accord, si tu veux, si tu veux. Voilà. Costa-san. Hajimemashite. Costa Enzo des 29 歳です。イタリア人です。ひ、あと、ウィシシャ。ひしゃです。イタリア語と英語と日本語ができます。よろしくお願いします。あら、donc, qu'est-ce que Isha? Est-ce que tu le sais, Torgol, oui ou non? Isha, c'est Alors, y a... le médecin, maybe. J'allais dire justement pour t'aider, il y a une indication avec l'âge, parce qu'il est assez vieux. Et c'était pas pour rien, c'est parce que tu peux pas être médecin assez jeune en fait. Oui. C'est vrai, parce qu'il faut beaucoup d'années d'études. Et oui, donc du coup, ouais, c'est médecin effectivement. Vas-y, je te laisse avec la quatrième phrase. Ribiasan. Hajimemashite. Aisurendo Ito desu. Attends, j'ai Alors, c'est superbe. pas Ito, c'est Jin, par contre. C'est Jin, oui. Aisurendo Jin des. Haisha des. Aisurendo go to Nihongo ga demas ne. Yoroshiku onegai shimasu. Voilà, donc qu'est-ce que Hai Sha? Haisha, c'est en rapport avec la médecine. Mais j'en ai aucune idée. Je sais que ça en rapporte la médecine. Alors oui, c'est en rapport avec la médecine.
Alors, Attends, parce que du coup, hop, alors, donc je pense pas être en mesure de faire dans l'exercice. 6. Alors, t'inquiète pas, Kairo, en Mais vrai, moi je suis pas en mesure de le faire. en vrai, vous êtes très bien en mesure de le faire, parce que si vous avez écouté en fait ce qui a été dit dans le petit 2, vous êtes très bien en mesure de le faire. Et de plus, je vais vous donner un indice après sur les trucs. Et oui, les gros ronds avec un trou dedans, c'est un point. Ça met fin à une phrase en fait. Voilà. Alors du coup, Aïcha, c'est tout simplement un dentiste. Voilà. Et pourquoi en fait j'ai utilisé ces mots-là? C'est parce que bah, potentiellement, si jamais vous allez au Japon, vous aurez besoin de savoir ce que c'est un médecin. Et pareil, un dentiste, vous aurez besoin de savoir. Donc du coup, je me suis dit, quitte à apprendre quelque chose, autant que je vous apprenne des mots qui sont utile si jamais vous avez besoin d'avoir un dentiste en urgence ou un médecin. Parce que bon, le reste, c'est un peu moins sûr. Voilà. Donc du coup, voilà. Pas le dentiste et pas voilà hein, Donc là, il faut trouver les erreurs et les expliquer. Je vais être sympa, on va faire la 3 ensemble pour une seule et bonne raison. La 3, il y a littéralement aucune aucune erreur. erreur. Voilà. La 3 est une phrase parfaite, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut dans la 3. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, voilà. Bon, alors ceux qui sont arrivés à là et qui n'ont pas eu le temps d'écrire et qui du coup se retrouvent avec la 3, voilà. Je suis désolé, mais dans tous les cas, ça serait vu. Ça serait vu parce que c'est la seule qui est longue, complète, etc. Donc, vous inquiétez pas, à la longue, il n'y aura pas ce genre de truc. Il y aura ce genre de piège ne sera à éviter justement. Voilà. Donc du coup, je vous laisse jusqu'à 47. À 47, je dévoile les réponses de chaque phrase. Voilà, voilà. Salut, Craig. Hop. 47, on va attendre 5 minutes là. Oh ouais, 5 minutes, parce que bah, c'est le temps de réfléchir à ce qui Les irait gars, pas, tout ça. j'ai déjà, j'ai pas mangé, je vais chercher à manger. À Vas-y, tout de vas-y. suite. En vrai, ça prend moins de 5 minutes, mais 5 minutes, c'est vraiment. Non, mais Craig, par contre, c'est un cours sérieux en vrai, Craig. Franchement, en dehors de ce genre de moment, je rigolerais bien, mais là, vraiment, je fais un truc vraiment sérieux. Après, si tu veux essayer, Craig, te gêne pas. Si jamais tu as des notions en japonais, même minimes, tu peux très bien essayer. Si tu as des questions. La flemme en fait. Sur la langue, n'hésite pas non plus. T'inquiète pas. Voilà. Je vais rien manger ce soir, les amis. Oh, ça m'arrive aussi de rien manger des fois. J'ai pas mangé ce midi. Ah ouais, d'accord. Chaud. Ça commence à devenir grave. Oh, un peu chaud quand même. Les gars, il est 43. Misez-vous bien. Allez, Torgol. Franchement, Je fais Torgol. instant promo, non? Non, non. Franchement, Torgol, si t'arrives à faire une phrase, respect. Franchement, de mon point Si de t'arrives vue. à trouver Non, les problèmes dans le dans des Alors, phrases. attends. Si t'arrives à trouver tous les problèmes d'une phrase, Ouais. franchement, tu seras pour moi un élève qui a plus de. Comment dire? De. Ah! De De. tchatch. Non, attends. Attends. Ça me venir. C'est pas d'avenir que je voulais dire. Plus De marge de progression voilà, possible. ce sera un élève qui aura une marge de progression, de mon point de vue, qui sera, à mon avis, la plus progressive Honnêtement, je crois entre nous. voir la première. Alors, bah, dis rien, dis rien. Quand je corrigerai, enfin, pour ceux qui sont dans le chat, faudra me l'écrire, du coup, avant que je donne la correction. Pour ceux qui sont bah, du coup avec moi, donc Torgol, du coup, il faudra que tu me dises du coup juste avant que je lise. C'est quand Que tu l'instant dises la promo? réponse. Il n'y a pas d'instant promo. Ou alors l'instant promo il est tout à la Ah. fin, tu vois. Bon les gars, y a Baldur's Gate 3 qui vient de Non, non, sortir. non, non, Les chut, gars, chut, 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 chut. ça faisait 20 ans. Non, mais je m'en fous que ça faisait 20 ans, gros. T'étais même pas né que le 2 venait de sortir. Voilà.
Alors, je laisse surtout du temps en vrai pour la rediff, parce que je peux oublier qu'il y a une rediff, hein. Et je veux vraiment en fait Classique. que les gens puissent comprendre ce qui va pas, tu vois, de eux-mêmes. C'est pour ça que je mets du temps. Donc t'en fais pas, Kero, si jamais Honnêtement, les t'arrives pas gars. à trouver, t'en fais pas. Mais vraiment, moi je vous le dis, aidez-vous de la 3. Regardez comment la 3 est construite. Et regardez ce qu'il n'y a pas dans les autres en fait. Et à partir de là, vous allez comprendre. Je vais faire un jugement, hein. Mais réellement, s'ils sont sur la rediff, ils peuvent mettre en pause et ils peuvent passer. Oui, aussi, c'est vrai. Mais en soi, Non, mais c'est le pas mieux, mal c'est de pour ceux qui sont réfléchir. sur le live. Oui, Voilà. mais vraiment réfléchissez. Et non, Krag, ce n'est pas ça. Mais de toute façon, voilà, vous en faites pas, il va y avoir les réponses dans pas très longtemps. Voilà, Ma chérie, tu es à contresens. What encore the une fuck? petite minute. Voilà. Je connais pas tous ces gens. C'est des gens avec qui je fais du RP sur WoW, des gens Funk qui sont très avril gentils. 2020, mais c'est quoi ça? Follower depuis 1 heure, mais c'est quoi ça? Et tu peux arrêter de gueuler dans mes oreilles et de gueuler des trucs qui n'ont rien à voir avec le cours, sinon je te tabasse. Ah, il y a des menaces en direct quand même. Merci. Je précise, hein, je suis pas à côté de lui, donc ça. Alors la 3 Peut-être est qu'un plus jour longue je que jouerai la à WoW, 2. les gars. Oui, la 3 est plus longue que la 2. Alors, vraiment, regardez ce qui est en moins. C'est-à-dire vraiment, là par exemple, vous avez eu l'indication, il y a eu le kanji du coup de, par Mais exemple. par contre, dites rien, laissez-moi répondre avant, en fait. Je Non dois mais voir il y le a des respect de mon questions, il sensei. y a des questions, il y a des questions. C'est ça. Alors je suis dans le game en claquette survêt. Non, 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 c'est pas ça, Crack. Crack, t'es très loin. Alors du coup, je vais vous prendre la 3 et je vais vous expliquer vite fait. Dans la 3, par exemple, vous avez tout, en fait, vous avez toutes les Laisse-moi informations. faire, Vous... laisse-moi faire. Non mais t'inquiète, la 3, de toute façon, t'as pas à la faire. Donc, vous avez le enchanté, vous avez la présentation de la personne, donc son prénom, son âge, d'où elle vient, ce qu'elle parle. Bon, vous avez son job, c'est pas obligé, mais vous avez son job. Mais c'est toujours mieux, je vous rappelle, hein. Vous avez les langues qu'elle parle, comme je l'ai déjà dit. Et vous avez le Yoroshiku Negaishimasu, à la fin de la phrase. Donc maintenant, regardez toutes les autres phrases et regardez ce qui ne va pas. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Je peux prendre la parole, Sensei, s'il vous plaît. Alors, vu que je dois donner les réponses juste avant. Alors, Keiro, Bah non. si. Attends, 2 secondes. Keiro, si de ton côté. Tu as une réponse complète, c'est-à-dire que tu as le. Enfin, parce que pour moi, ta réponse est incomplète dans le sens où il n'y a pas exactement ce qu'il faut pointer. Je te laisse l'écrire et genre, je te laisse juste le temps que de l'écrire. Sinon, tu me dis non, j'ai pas et je laisse Torgol du coup donner sa réponse et ensuite je donnerai la réponse. Parce que j'avais fait que le 1, je vais regarder les autres. Alors, La 4, j'ai. je donnerai la réponse ensuite, quand Torgol aura donné son avis. Donc, du coup, Torgol, vas-y. Donc pour la première phrase, il manque le HJMHT et le Yoroshikun Onegaishimasu. Donc en début et en fin de présentation, et du coup, comme on a vu dans la partie 2, c'est beaucoup trop court. Alors, franchement, Quoi? on va passer aux réponses. Alors effectivement, dans la première phrase, il manque le HJMHT du coup et le Yoroshiku Negaishimasu qui sont présents donc ici à la fin de la phrase et ici en début de phrase. Enfin, du coup, c'est l'inverse, hein, HJMHT, Yoroshiku Negaishimasu, voilà. Et effectivement, c'est beaucoup trop long, hein, et c'est ce que j'ai noté du coup. Voilà, la présentation est trop courte. Ensuite, dans la 2, du coup, Keiro, effectivement, la phrase est moins polie. Effectivement, puisque il n'y a pas le je m'en remets à vous, donc le Yoroshiku Negaishimasu, qui du coup fait que la phrase est d'office moins polie. Cependant, il n'y avait pas que ça à noter. Et ça, par contre, c'est normal que voilà. Il y a quelque chose qu'il fallait noter, c'était le point rouge du coup de la phrase, c'est que il y a pas mal de nez. Et donc du coup, faire attention à qui vous adressez. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, par exemple, genre du side des nez.
Et à chaque fois, vous avez dessiné, dessiné, dessiné. Pourquoi il y a dessiné? Dessiné, de base, c'est une confirmation. Quand vous dites, par exemple, je vais prendre Gaxé dessiné, parce que c'est écrit là et que j'ai pas envie de me casser le cul, et ben, en gros, c'est une confirmation du fait que vous êtes étudiant. Cependant, ça peut devenir un tic de langage à partir du moment où il est bien trop utilisé. Et là, dans ce cas présent, c'est un tic de langage. Donc, en fonction des personnes avec qui on parle, il faut faire très attention parce que bah, ça peut être rédhibitoire pour, par exemple, aller à une offre d'emploi et à chaque fois balancer votre nez à la fin du DES. Ça peut très rapidement poser des mauvais bails. Voilà. Et ensuite, la 4, du coup. La 4, j'ai aussi. Ah, vas-y, bah, donne ta réponse, à moins que Kairo, tu l'aies. Vas-y, on va attendre 2 secondes, voilà. J'attends un peu la réponse de Kairo. Voilà, ça, c'est un E, 3 petits points, ça veut tout dire. Ça n'a pas travaillé son exercice. Félicitations, 2 heures de colle. On pourrait faire ça, mettre des heures de colle. Ouais, mais ce serait pas drôle. Alors, du coup, hop. Au contraire. Il y a un dessiné. Il y a les deux formes de politesse. Ouh, mais j'ai copié. Oh, oh, oups, c'est pas joli ça. J'ai. Ouais. J'ai copié sur le. Alors, oui, hein, j'ai fait un copier-coller sur cette phrase hein, quand j'écris la 4, si jamais. Donc, normalement, il aurait pas dû avoir le nez. Mais oui, effectivement, c'était bien remarqué, sinon. Bon, on va. Kairo, je te donne donc, un point. Effectivement, on a les deux formes de politesse. La JMMHT et le Yoroshiku no Negai Shimasu. Ouais, ça c'est bon. Donc, mais ce qu'on cherche, c'est les erreurs. Oui, effectivement. Là, c'est très bien repéré. Kairo, vu que t'as quand même eu l'œil, attends 2 secondes. Kairo, vu que t'as eu l'œil, je te mets un bon point. Torgol, l'image. On donne des images. Oui, bon, je te donne une image. Torgol, vu que t'as réussi la première phrase et Kairo aussi, je vous donne, enfin, tu as réussi la deuxième. Je vous donne à tous les deux aussi une image. Voilà. Donc du coup, Kairo, tu as 2 images. C'est bien. Moi, je vais passer à 3 tout de suite, les gars. Vous inquiétez non, pas. Mais non, tu vas passer à 2. C'est Kairo qui en a 2 pour l'instant. S'il a vu une erreur que j'ai fait sur la création du cours et en plus il a réussi à trouver. Je vais arrêter, je vais mettre à l'anglais, mais... les gars. Non, mais gros, t'as eu une image aussi parce que t'as fait la. Là, donc, du coup, vas-y, la 4. Du coup, qu'est-ce que l'erreur? La 4. Du coup, bah, il ne donne pas son âge, déjà. Et il n'y a pas de nom, de prénom. Il ne se présente pas lui-même, en fait. Bah, il dit pas qui il est. Exactement. Il n'y a aucune information. La seule information qu'on a, c'est l'exercice qui nous la donne. Parce que sinon, bah, si on n'entendait que ça, bah, on n'aurait aucune fucking info sur qui est cette personne. Donc, Torgol, tu as un deuxième... Bonjour, j'aime les chats et j'adore manger des voitures. Je suis étudiant et toi? Bah non, je te présente. Il faut se présenter, toujours. Voilà. Ensuite, voilà, nous passons donc au un peu de vocabulaire. Hein. C'est déjà la fin de ce cours écrit. Et après, on passera un petit peu à des phrases à l'oral. Et puis, pour finir, en fait, avec un petit résumé du cours. Donc, du coup, voilà, vous avez donc ceci qui est à apprendre. C'est-à-dire que vous devez le savoir pour le prochain cours qui est dans... qui n'est pas donc le mardi prochain, mais le mardi d'encore après, parce que mardi prochain, pas là, et vendredi, il y a le Z-Event, donc ça nous nique les audiences à coup sûr. Je peux vous cacher que j'ai pris un RTT. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est pas mardi d'après, c'est le mardi d'encore après le prochain. Quoi. Mais du coup, ce sera à savoir. Voilà, en sachant que, je pense, pour être franc, faire le vendredi 30, un petit test. Que je vais littéralement filer en live, hein. Je vais filer un lien où on pourra DL le test, donc ce sera des trucs à trous, et il faudra remplir ce que du coup vous avez appris. Un test du JLPT5, mon gars. Voilà. Alors, non, ce ne sera pas des tests aussi durs, mais voilà, il y aura par exemple, bah, il y aura un exercice où vous aurez soit pas le français, soit pas le japonais, par exemple. Et après, vous aurez un exercice comme celui-ci,
où vous allez avoir des phrases, certaines vont pas être bonnes, et il faudra trouver les erreurs, tout ça, et noter du coup en dessous votre réponse. Et moi j'aurai du coup le sujet du coup du prof avec les réponses de noter. Voilà. Jusqu'à là, les gars, on est là pour se tromper, on est là pour apprendre. Faut Voilà. pas avoir peur d'essayer et de se tromper. Exactement. Chaque erreur est un pas en avant une fois qu'on a la réponse. Ah ouais, non mais cherche pas, hein. Moi je suis à fond dedans. Je m'improvise prof, mais Moi jusqu'au aussi. bout. Voilà. Alors que moi, je m'improvise élève, c'est déjà très bien. Ouais, non mais toi je vais t'auto-improviser prof, tu vois. Ouais, non, mais en vrai, la numération, ça peut le faire parce qu'il n'y a pas de trucs compliqués, tu vois. Je peux les mettre facilement en français, en Magic, etc., etc. Mais après, il n'y a pas que ça. Le Y a... problème, c'est que. Vas-y, Il n'y a pas que ça. Si, il n'y a que ça, en fait. alors, non, Honnêtement, au non, prochain parce tour, qu'en il n'y aura soi, que ça. avec les nombres, enfin, avec la numération, tu peux également parler du Ah coup non, des non, non. compteurs, enfin, de certains Oui. compteurs, comme l'âge, par exemple. Et d'ailleurs, Oui, non, mais ça, je ce t'y sera la reprendrai. numération, vous apprendrez à compter, point. Voilà, mais faudra aussi que tu parles des compteurs et un truc. Si jamais tu parles du compteur de l'âge et que tu te trompes sur la seule, et je dis bien la seule exception qu'il y a dedans, ah gros, ah je te Mais jure, je te mets un exercice de kanji, tu vas douiller. juste comme ça, les amis, je ne sais pas ce que c'est le compteur de l'âge, en fait. Le compteur de Là, il l'âge, me c'est parle de Sai. compteur depuis Mais tout à gros, l'heure. Oui, c'est non, quand, mais. genre, quand tu dis Roku Sai, par exemple, genre j'ai 6 ans, tu vois, Roku Sai Des, bah Sai, c'est un compteur d'âge. Bah voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, mais sauf que je C'est te laisse te le gars me débrouiller pour la. surestime, c'est insane. Ouais, mais oui, mais gros, c'est parce que compteur de l'âge, Non, gros, tu apprendrais j'ai à fait des compter recherches. jusqu'à. Attends, j'ai fait des recherches pour savoir comment ça s'appelait, parce que j'avais oublié que ça s'appelait compteur, je pensais que ça s'appelait dénumérateur au départ. Puis après, je cherchais, je me suis dit, bah, c'est peut-être un numérateur. Puis en fait, j'ai lu le mot compteur à un moment quand je cherchais. Du coup, voilà. Certains caractères. Sont bizarres et un peu durs à écrire, par contre, je trouve. Probablement Oui, les kanji. c'est sûrement les kanji, le kanji du poisson, hein, précisément, qui doit être quand même pas mal dur. Oui, complètement. Alors, d'ailleurs, je te conseille comme application pour apprendre les hiragana et les katakana au Benkyo. C'est Non. très simple. Attends, laisse-moi expliquer avant le. Parce que toi, tu dis non, mais gros, au Benkyo, c'est gratuit et toi, ton truc, il y a un moment où il faut payer. Non, il est gratuit aussi. Ouais, mais après, c'est pour les kanji que c'est payant. Obenkyo, c'est un truc où vous allez pouvoir, en gros, faire vos tests pour mémoriser visuellement, en tout cas, vos kanji, vos hiragana, vos katakana, même vos nombres. Alors, il dit que c'est un truc mal codé et pas beau. Alors, c'est un truc qui est pas très joli, ça oui, mais c'est pas mal codé du tout, par contre. Donc, du coup. Voilà, bon. Obenkyo, en tout cas, c'est moi je l'utilise et c'est ce qui m'a permis de connaître mes hiragana et mes katakana très rapidement. Genre vous lancez, enfin vous paramétrez de façon à ce que chaque hiragana et chaque katakana passent une fois et vous lancez le test. Et vous vous démerdez pour faire votre note maximale. Le but étant de faire zéro erreur, bien évidemment. Si vous en faites une ou deux sur tout ce qu'il propose, c'est que vous êtes quand même très très bien. Voilà. Moi, je te conseille clairement d'écouter le prof d'aujourd'hui, hein, parce que quand j'y suis dit, encore une fois, hein, tu as un moment où tu payes apparemment, hein, parce que monsieur si présent a Ah payé non, alors un en moment. fait, tu peux payer pour avoir le dictionnaire complet de tous les kanji, donc plus de 10 000, sachant que tu t'en sers pas de 10 000. Les autres sont totalement gratuits. Et non, après, voilà, l'application, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Après, au sujet de l'apprentissage des canages, moi, je conseillerais plutôt d'y aller justement un peu doucement, d'en faire 5 par jour. Toi, tu prends ton tableau, tu fais une ligne par jour. Et chaque nouveau jour, en fait, tu retravailles tous ceux que tu as vus avant. Et ça sera sûrement plus facile à apprendre que tout faire d'un coup et répéter, répéter, répéter les tests. Parce que essayer de mémoriser le plus possible d'un coup sans justement s'imposer une limite, c'est souvent plus compliqué que de se dire aujourd'hui j'en apprends 5, je travaille une demi-heure, trois quarts d'heure
à les écrire, à les mémoriser, à les dire, à les prononcer, et ça ira sûrement beaucoup plus vite. En moyenne, moi, à peu près, j'ai mis environ un mois pour apprendre toutes les combinaisons et tous les canas. Ça fait à peu près 171 caractères. Alors sans oui, compter les nouvelles combinaisons en katakana. Le poisson est écrit au départ en kanji. Ensuite, il est écrit en hiragana. C'est-à-dire comme chaque truc qu'il y a autour de lui. Et ensuite, du coup, en romanji. Donc oui, il est écrit en deux alphabets différents, si on compte pas la traduction. Puisque bah, il faut bien que quand même je... Enfin, en vrai, j'aurais peut-être pas dû mettre les deux points. J'aurais peut-être dû mettre plutôt ça. Comme je mets en plein milieu des cours en général. Voilà. Ce serait plus compréhensible, je pense, voilà. Comme ça... Voilà. Voilà. C'était surtout, pour, en fait, le kanji, parce que le kanji est très important, donc c'est intéressant de l'apprendre, mais les hiragana qu'il y a à côté, c'est pour, justement, pour savoir le lire. Parce que, techniquement, t'es censé savoir lire les hiragana, même si, bon, bah, on est d'accord tous les deux que tu n'as pas encore commencé. Voilà. Mais c'est surtout que c'est la façon la plus facile de lire et de pouvoir prononcer quelque chose. Voilà. J'ai remarqué les différents alphabets. Et t'en fais pas, Kairo. Hein, c'est juste que comme ça, t'as les trois noms en fait bien écrits. Niragana. Non, Nikaraga. C'est Hiragana. Mais en fait, c'est parce que je sais pas. En ce moment, j'ai des problèmes. Les derrière, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que je fais une liaison. Les hiragana, c'est hiragana, ouais. Et à chaque fois, j'ai dit les hiragana. Katakana. Mais je sais pas pourquoi. Kanji. Oui. Mais je sais pas pourquoi je. Voilà. Enfin bref, voilà. Alors du coup, tu me dis dès que c'est bon, Kairo, que je remonte. Est-ce qu'on teaserait pas le prochain cours? Avant de teaser le prochain cours, il va y avoir. Un test pour voir si toi tu as compris. Donc prépare-toi. Ok. Ah bah attends. C'est alors le petit test, tu vois, c'est que là, tu vois. Tu as ici. Alors vous entraînez-vous chez vous aussi à la maison. Ici tu as une présentation hein, qui est censée être la tienne. Hein, du coup. J'ai du délai, hein, je la vois pas. Oui, mais t'as du délai, t'inquiète pas. Donc tu as une présentation du coup qui est censée être la tienne. Et tu vas devoir faire à partir de celle-ci, ou voilà, tu vas devoir t'aider à faire une présentation d'une personne que tu crées de toutes pièces. Je vais faire la même après, hein, je te rassure. Donc une personne que tu vas créer de toutes pièces, qui doit en gros avoir un minimum de ces informations-là. Je suis un bâtard, hein, mais une question, t'es déjà allé à l'école ? C'est le professeur qui montre à l'élève, puis l'élève qui essaye de refaire la même chose. Oui, mais là en fait, je t'explique. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit, tu t'aides en fait de ce qui est écrit. Alors si tu veux, je le fais, y'a pas de problème, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Attends, je déchiffre, ok. Gmail acheté. Attends, je réponds à la question. Alors, comment on dit en japonais les mots que je viens d'écrire en fait? Vous le savez. Alors, je les lirai après. Je retourne dès que il aura fait. Non, mais on peut y aller maintenant. Bon, ok. Je vais pour 10 minutes, donc bon. Ok. Alors, du coup, hop, les mots ils sont là. Donc, le premier qui est ici, c'est Inu. Donc, Inu, c'est le chien. Voilà. Ensuite, vous avez Neko pour le chat. Voilà. Vous avez. Oula, je l'ai mal écrit celui-là. C'est Usagi ou Usagi? Lequel? Non. C'est Usagi hein, pour le lapin, on est bien d'accord. Hein. J'ai pas mal écrit. Hein. Le lapin, t'as dit? C'est Usagi. C'est Usagi, effectivement. Ouais. Usagi, donc. Usagi pour le lapin. Hop, Hamusuta, donc qui est écrit en katakana justement pour le hamster, Nezumi pour la souris et pour le rat, donc Sakana qui est écrit deux fois du coup pour le poisson, Ebi pour le serpent et Kame pour la tortue. Petit tips,
Ebi, vous l'entendrez si vous regardez Naruto en Vost.fr. Enfin, en Vost, plutôt, ou en VO, ou en Vost. Ouais, en Vost.fr, ça marche aussi. Et Kame, vous l'entendrez dans Dragon Ball, puisque Kame Sennin ou Tortue Géniale, hein, voilà. Et d'ailleurs, Sennin qui signifie ermite. Voilà. Donc en gros, Kame Sennin. En gros, Kame Sennin, ça veut dire ermite de la tortue, ou Ero Sennin, ça veut dire ermite pervers, hein, parce que dans Naruto, bah, y a Ero Sennin, c'est Jiraiya, donc voilà. Voilà. C'est vrai. L'ermite palette. Voilà. Pour le serpent, vous avez Orochimaru qui souvent parle de Hebi. Pour le chien, le chien, le chat, c'est des trucs courants. Neko, bon, ça va, on a les Neko Boy, les Neko Girl, je pense qu'on en a assez sur le, sur la toile. Inu pour les chiens. Inu, je sais pas ce qu'on pourrait donner comme truc. Pour faire quoi comme truc pour retenir pour pouvoir retenir vous avez quoi qui pourrait les abrutis qui disent Shiba Inu tu vois c'est le nom de chien derrière la race ouais voilà, Shiba c'est... Inu genre j'ai un chien Shiba Inu non t'as un Shiba t'as pas un Shiba Inu c'est non c'est un chien c'est un Shiba chien ah c'est ça c'est c'est pas un chien en fait c'est un Shiba chien frère mon chien c'est un Shiba chien genre, d'accord Vous avez ensuite donc, chien. pour Usagi, je sais pas du tout quoi vous donner comme truc parce que pour le coup vous n'aurez rien ou vous aurez lapin qui est prononcé ou en tout cas vous aurez Usagi qui est prononcé en tout cas pas à ma connaissance. De race canine, c'est... non mais chien de race canine. Oh je dirais le mot de là s'il vous plaît. C'est ça. Tu vas voir le CPE s'il te plaît. donc serpent c'est Ebi. Et tortue, c'est Kame. Au cas où, au niveau des prononciations. Et pour ce qui est de ce que je disais, donc tortue, vous avez Dragon Ball, où vous entendrez souvent Sangoku qui dit Kame, c'est Nin, pour le chien, vous avez Shiba, les gens qui disent Shiba Inu, qui, donc c'est, Shiba c'est la rage de chien, et Inu pour le chien. Amsuta, c'est la prononciation anglaise. Ebi, vous l'entendrez dans Naruto, puisque vous avez Orochimaru qui prononce Ebi à plusieurs reprises en VO. Hein bon, après, si vous regardez le truc en Vost.fr et tout ça, c'est votre problème. En VF plutôt, c'est votre problème. Pour les poissons, je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Pour vous aider à retenir en l'entendant quelque part, je parle. Hein, genre, si vous devez regarder quelque chose pour entendre un de ces mots, Naruto, ça c'est dans la vie de tous les jours que vous l'entendrez. Ça c'est dans DBZ. Ça c'est tous les jours aussi, puisque en soi, Amsuta. Le hamster en vrai. Il est facile. Il est utilisé dans Amtaro. Voilà. Ouais, Amtaro. Pour les... mais après, pour le lapin, le chat, le poisson, la souris. Vous n'aurez pas grand chose pour vous aider pour retenir en tout cas au niveau de l'oreille, c'est ça en fait que je veux dire pour la prononciation. Voilà. Regardez Amtaro en 2020, par contre. Il me manque juste poisson. t'inquiète pas, hein, c'est je t'en veux pas. Hein, genre, tu sais, genre, justement, hein, si t'as besoin de la prononciation, voilà. Enfin, si vous avez même tous besoin de la prononciation, pour la prononciation, donc c'est Sakana. 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 Ça fait beaucoup de A. Oui, bah il y a trois syllabes en A. Sakana. Voilà, Sakana. Sakana o tabemasu. Mais de rien, Kairo, de rien. Voilà. Donc du coup, résumé du... Non, pas résumé du cours en fait. Genre toi, tu dois faire... Non, toi tu dois faire ton petit exercice là. Allez, et d'ailleurs, faites-le aussi chez vous si vous voulez le faire. Nana. Allez. Pourquoi Nana Nana Saides. Quoi? C'est ce que tu m'as écrit là. Ju Nana Sai. Ça veut dire 17 ans. C'est vrai, Sai, c'est pour l'année, effectivement. C'est... Non, c'est pas pour l'année, là je vais te taper. C'est pour l'âge. Et pour eux, c'est. Oui, c'est... C'est ça. Non, ouais. Non. En France, c'est ça. En gros, Sai,
pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça signifie, Sai, ça ne veut pas dire année. Année, c'est un autre kanji qui est écrit d'ailleurs sur le cours actuellement. C'est écrit là, tout en haut. 8 ans. Oui, 17 ans, mais on ne traduit pas ça par l'âge. On traduit ça par years old en anglais. En gros, c'est... En français, tu traduis years old comment ? En français, en gros, c'est... C'est... Merci. Le... Non, c'est pas les années, c'est le temps que t'as passé à vivre, en gros. Si tu devrais vraiment le traduire que d'une façon. Effectivement, t'es pas obligé de t'énerver non plus. Hein. Non, mais je m'énerve parce que je veux être méticuleux. Ouais, je suis méticuleux et je veux que les gens ils comprennent que vraiment c'est une erreur à ne pas faire. Et donc, du coup, je m'énerve pour vraiment appuyer le fait que c'est une erreur grave à faire, à ne pas faire. Voilà. Merde. Alors. j'ai prod Skapop. Il connaît ça. Exactement, Kairo. T'es un bon. T'es très bon. T'es prometteur, Kairo. Mon prod, par contre, hein, t'arrives en fin de cours. T'es pas trop prometteur. Hein. Vas-y, banne-le, s'il te plaît. Non. Ouais, je connais, on va se marrer, je reste un peu. Mais d'où ? Non, non, là, c'est Torgol, c'est pas moi. Mais oui, ton corps. Mais encore. Hein, mais si, je te rappelle que tu dois faire le truc une fois, là. Tu dois t'inventer un personnage et le présenter. En faisant comme si c'était toi. En fait, j'ai juste à changer le nom. Je peux pas juste le faire pour moi. Parce que, honnêtement. Bah non. Faut que t'inventes un personnage. Il y a quoi qui change ? Il y a l'âge. Tu peux changer l'âge, tu peux changer la nationalité, tu peux changer. Sa situation, tu peux la changer par. Mais non, mais si, en fait. Genre, si tu le fais pas, genre, je t'enlève une image. J'ai le droit d'écrire quand même pour. Alors, t'as le droit d'écrire quelque part sur ton PC, y a pas de problème. Si derrière tu veux le lire ensuite, t'inquiète. J'ai pas le nom des âges en fait. Alors, attends, je vais mettre en rouge. Bah, t'as fait la numération ? Oui. Ok, j'ai dit quoi ? Le nom des âges ? Ouais. Oui. Je voulais dire les nationalités, les langues, les trucs comme ça. Alors, my bad. Au niveau des langues, y en a eu 2-3. Déjà, bon, tu peux mettre juste l'anglais si tu veux, je vais pas te taper, hein, disons, voilà. Mais juste, tu vires le français, tu peux mettre l'italien, tu peux mettre l'irlandais, tu peux mettre le japonais, tu peux mettre les trois, tu peux mettre seulement deux, tu mets ce qu'on a vu. Je peux dire que je parle une seule langue. Oui, tu peux. Tu mets en fait ce qu'on a vu. Vraiment, voilà. En fait, tu vois, genre, tu utilises ce qu'on a vu, mais tu fais. Tu modifies ce que t'as sous les yeux là, tu vois, tu t'en sers pour t'aider. Non, tu vas même pas corriger en... Si, je t'inquiète pas que je te corrige si jamais j'entends un truc qui est faux. Je viens à deux cours pendant les vacances. Ah, parce qu'il y a deux cours pendant les vacances. Oui. Alors, probablement le mardi et le vendredi. Non, mais il parle pas de... Il parle pas de mes cours à moi. Ah. Bah tant mieux, tant qu'on le voit pas, c'est pas mal. Mais non, mais il parle de cours de l'assaut. Attends, je veux l'instant anecdote. Attends. Déjà, fais tes trucs et moi je vais raconter. Donc, en gros, pour expliquer, je connais Prods via une association de japonais qui est dans ma ville, dans laquelle je vais très peu parce que voilà. Parce que je suis quelqu'un qui vraiment. Comment dire ? Je m'ennuie en fait là-bas. Genre ça va pas assez vite pour moi. Voilà. Et toi, au lieu de dire des conneries dans le chat, tu vois, va travailler ta putain de phrase. J'ai envie de le faire à l'impro en fait. Bah fais-le à l'impro, vas-y. Là, vas-y, maintenant, tout de suite. Ok. Non, je vais pas le faire à l'impro. Merci. Non, d'abord toi, parce que derrière, tu vois, je veux pas que tu puisses t'inspirer, tu vois, je veux que tu puisses te démerder tout seul. Je le disais tout à l'heure, tu vois, faut pas avoir peur d'essayer, mais maintenant qu'il y a Prod, bah j'ai peur, il m'intimide. Mais non, t'inquiète. Alors, ouais, en gros, je préfère apprendre par moi-même, parce que ça va un peu plus vite que si je devais apprendre dans le truc. Et putain, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé encore par Discord, lui ? Non, ils m'ont rien envoyé encore. Non, vous m'entendez crier si jamais il y a une nude. Oh yes! Trop dit. Bah en vrai, je suis toujours pas retourné à l'assaut hein, depuis. Genre, tu sais, genre, j'ai pas foutu un putain de pied à l'assaut. Hein.
Alors. Ah putain. Oh mais tu sais, quand tu me parlais de l'assaut, je croyais que tu parlais de l'assaut de cow-boy en fait. Ah Et je oulala. comprenais pas pourquoi vous preniez des cours de l'assaut. Mais il est un peu con lui, hein. C'est. Un peu, hein. C'est un chouïa con quand même. Hein. Mon Bah Dieu. ouais, mais gros, tu veux me voir, c'est. Mais je sais, mais genre. Mais qu'est-ce que je te dis, genre. Je suis toujours pas retourné. En vrai, je crois, genre, si je me pointe, il me regarde de travers, Manu. C'est possible. Ah oui. C'est même sûr. Mais voilà, donc maintenant vous Attends, comprenez. je vais surligner ce que j'ai à changer, ok? Et après, je Ce passe que à t'as l'impro. bah, ce que t'as à changer, de toute façon, il est entre le Hajime Mashte et le Yoroshiku Negashimasu. Oui et non. Parce que si, en fait. Voilà. Bah si, puisque ça sera pas les mêmes phrases, en soi. Donc si, t'as tout ça à changer. Non, c'est que t'as des trucs, à la limite, t'aurais dit modifier, tu vois, ouais. Genre là, tu peux, à la limite, surligner des trucs que t'as à modifier ou à enlever, tu vois. Mais tu peux pas Attends, dire changer, c'est parce que sinon quoi? tu changes tout. C'est quoi ça? C'est une deuxième langue du coup parce qu'il y a le go après, mais Alors, en fait, c'est quoi la deuxième langue que tu m'as mis le toei? C'est incroyable, hein. Vous avez vu à quel point il a suivi le cours? Vous avez vu à quel point, genre, j'ai Ouais, quand même bah parlé de alors. cette particule? Vous avez vu à quel point, quand Les même, gars. hein, genre, je vais juste remonter un petit peu plus le cours, comme ça, genre, il le verra, hein. Mais vous avez vu à quel point, genre, c'est marqué juste là que lui, il a reçu le cours en PDF, que Mais je n'ai ça, pas tu ça vois? en fait. Si, si, J'ai t'as un bloc vert, tu passes des vagues dessus. bizarres. Non, non, alors, t'as un bloc J'ai des vert, tu. vagues bizarres. Non, je vais dans. Mon truc est blanc. J'ai juste des vagues rouges et bleues. Je ne vois rien. M'énerve. Et du coup, j'imagine que c'est une deuxième langue, c'est ça, non? C'est. Alors, je te laisse lire en fait ce qui est écrit. C'est marqué au-dessus. T'es sur une. La particule tau sert ici à lier les différents sujets entre eux. Elle se traduit par et. La particule s'écrit quoi? C'est un K ou c'est un gars? J'arrive pas, c'est trop petit sur mon On écran. s'en bat les couilles de la C'est quoi? particule d'en dessous. Moi, c'est la particule du dessus en C'est fait un. qui est intéressante. Le tau? Ouais? Vas-y, du coup, tu peux me relire du coup le passage où tu parles des langues, s'il te plaît? Lequel? Furunsugo to. Ouais, mais c'est quoi cette langue en fait? C'est juste la langue que je veux savoir. Du coup, c'est Rappelle-moi le quoi nom. la langue que tu veux que je te traduise? Si Non, tu... mais attends, je vais aller Non, 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 sur un non. truc, tu vois. Dis-moi le nom de la langue que je traduis, que si jamais en fait c'est pas ça et que tu me sors encore une connerie, je te tape. Non, j'ai pas envie. Non, non, dis-le, vas-y. Hey. Sans le H à la con que j'ai mis avant, mais. Ouais, il manque une partie, sinon sort c'est pas une langue. Hey go Voilà, du coup, for. Eigo, c'est l'anglais. Voilà. Merci. Ouais, mais l'anglais, je suis japonais, donc je ne parle pas. Voilà. Et Quoi? franchement, j'ai envie de dire un Je truc meurs. parce que Prod, je sais que tout ça, il le sait parce qu'on l'a vu ensemble. Prod, franchement, entre toi et moi, ose me dire que t'aurais fait l'erreur à tôt. Bah attends, j'ai juste à rayer ça et à mettre. Voilà. J'ai dit, ose me dire que tu aurais fait l'erreur à tôt. Alors, question pour être sûr. S'il y a plusieurs alphabets, au moins deux de ce que j'ai appris, il y a plusieurs dialectes, plusieurs formes de japonais. Alors, il y a précisément trois alphabets. Il y a l'alphabet, enfin alphabet. Il y a les katakana, qui sont donc l'alphabet dont tu vas te servir pour écrire les mots étrangers, que tu vas traduire en japonais en gros. Genre, tu vas récupérer un mot étranger, par exemple. Bah, Amseta. Voilà, pour le hamster. Et ça va être écrit en katakana. Tu as l'hiragana, c'est-à-dire tout le pavé qu'il y a ici avec. Bon, il y a quelques kanji dans le tas, mais le Hajime Mashite du début qui est écrit en hiragana. Et tu as les kanji. Rien ne change entre les trois. C'est-à-dire qu'en fait, l'hiragana et le katakana, tu dois juste en fait pouvoir différencier.
Voilà, les hiragana, c'est pour le japonais pur. Et tu vas pouvoir te servir, par exemple, si tu connais ton tableau de hiragana, tu vas pouvoir te dire, bon, bah, du coup, en katakana, qu'est-ce que devient ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, en gros. Les kanji, c'est juste pour raccourcir les mots. C'est-à-dire que si tu as un mot à rallonge, genre généralement, les machines à laver, par exemple, je ne saurais pas te dire le mot parce que je ne le connais pas, mais je sais que machine à laver est un mot en japonais qui est tellement long qu'il faut minimum deux kanji pour l'écrire. Et encore, je crois qu'il en faut plus. Crois-moi, quand tu sais à quel point c'est comprimé pour écrire machine à laver en kanji, et que d'un coup tu te dis, bah, je vais l'écrire en hiragana, gros, tu prends pas une demi-heure en vrai, mais tu prends une demi-heure à l'écrire. C'est pas vrai, hein. Une demi-heure c'est pour te dire que tu mets longtemps. Hein, si jamais. Mais voilà. Si tu connais pas les kanji, il y a les hiragana au-dessus. Oui. J'ai écrit les hiragana. Alors pas sur cette partie-là, Ouais, là. pas sur tous et ceux qui m'intéressent, tu l'as pas mis, hein, En donc gros, j'ai écrit les sur le kanji la première fois du coup qu'on le voit. J'écris les hiragana au-dessus parce que je me dis que voilà, c'est à apprendre. Donc après, à voir si la personne elle écrit en hiragana ou en katakana, en kanji pardon, si elle écrit en hiragana ou en kanji. Voilà. Mais je l'écris généralement une fois au-dessus. Et après, une partie du moment où il a été vu une fois, je ne l'écris plus du tout au-dessus. C'est-à-dire que s'il faut que tu regardes le début du cours, tu regardes le début du cours. Si, bon, quand il y aura les trucs. Mais voilà. Oui, alors ça aussi. Les prénoms et tout ce qui n'est pas japonais sera donc écrit en katakana. Les prénoms français ou les prénoms ou les mêmes les pseudonymes seront écrits généralement en katakana. Tu n'écris pas un pseudonyme en hiragana. Sauf vu que bah, le nom de mon avatar, qui est Fireglass, Azuki, du coup, Azuki étant le nom de famille et bah, ce personnage étant japonais. Voilà. Alors, comment on écrit quoi? Comment on écrit merde? Bah non, Non, on ne dira pas ça. enfin je peux le dire, C'est pas mais gentil. c'est voilà, c'est pas gentil. Alors comment on dit Eric? Bah Et elle Eric, plus. voilà, Eric. Je te l'écris après. Genre attends, je vais te l'écrire dans le chat en japonais. Prod, si tu veux pas remplacer Flo comme prof de japonais, s'il te plaît. Mais va te faire foutre en gros, genre gros, si je veux, j'appelle prof, si je lui dis gros, tu veux pas remplacer Tangol en prof? Voilà, tu l'écris comme Mais moi, ça, si je Eriku. prends, je suis l'élève. Bah ouais, mais t'es censé t'improviser prof. Après, tu vois, en vrai, Sais qu'il y a si Prods il est chaud, tu vois, genre je le on passe, fait un je trio, le, d'ailleurs. ouais, on fait un trio, je le passe prof, toi tu es l'élève qui est avec les profs en vocal, tu vois, et voilà. Vas-y. Non, mais le truc, Mais il faut c'est que le monsieur surtout il soit que disponible. moi. Attends, il faut que le monsieur il soit disponible le mardi et le vendredi soir et que il prépare à chaque fois un D'ailleurs, cours sur deux. moi, comme tu peux voir, le vendredi soir, c'est chaud. Hein. Ouais, je c'est suis un peu arrivé à chaud, peu t'arrives près ric-rac. 30 secondes après le demi drive. En fait, le Ouais, mais truc, c'est que t'inquiète. j'ai des choses en fait. Donc, j'ai des choses de prévues, des fois où je rentre un peu tard. Si je suis le prof, ce sera pire. Toi, tu vas bosser, t'inquiète pas. Mais ça me va en fait, bosser. Tant que je suis pas tout seul à être humilié en public, ça me Non, va. mais alors déjà c'est pas une humiliation, hein. Vous savez, l'apprentissage n'est rien d'une humiliation. Au contraire. Alors certes sur le coup ça va être drôle si la personne a fait une erreur et que tu es au courant de son erreur. Certes c'est drôle. Faut Comme. être franc. Mais tu vas toujours apprendre. Et effectivement ton prénom n'est pas dur à écrire. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais oui effectivement voilà. Je roule sur les R. Non, non, oh non, en fait, c'est pas qu'il roule sur l'air pour. Voilà, c'est qu'en gros, en fait, un R en japonais, c'est l'équivalent d'un L pour nous selon le contexte. Voilà. Voilà, en fait, c'est une façon, mais c'est pas non plus rouler les R normalement. Normalement, t'es pas censé rouler un R. Je fais de Eric. l'espagnol, c'est pas pareil. Oui, c'est pas. L'espagnol, c'est. Juanita! Rends des putes, ok. Voilà. Tu vas te mécale, hein, sinon je te mécale. Sachant que Hiro, t'as pas de R, donc tu peux pas rouler le R. Oui. J'en peux plus.
J'ai pas mangé. Bon, Mais oui, effectivement, le yes. japonais est différent de l'espagnol. Bref, fais ta putain de présentation à l'écrit et ensuite tu nous la fais à l'oral, sinon je te tape. Elle est courte, hein, mais ouais. Bah, vas-y. Hein. Hajimemashite, Pierre Udes, Juichi Sandes, Nihonjin Mo, Nihongo ga Anasemas, Yoroshikun Onegaishimas. Alors, Vas-y, alors. seule faute que j'ai vue. Alors, là dans la phrase, j'ai utilisé le mot parce que juste avant, en fait, dans ma présentation à moi, Oui, il y avait quelque chose, je l'ai laissé parce que je suis un je, connard. oui, dans ma présentation à moi, tu vois, je disais que j'étais français. Et donc, attends, non, c'est juste C'est avant. Je disais que j'étais français, tu vois, c'est écrit là. Et donc, du coup, putain, mais ça se décale à chaque fois cette merde. Et donc, du coup, vu que je disais que j'étais français, bah, il fallait, tu vois, que je puisse. Bah, que je puisse derrière rebondir avec une autre particule. Donc du coup j'ai utilisé le mot pour dire en gros que tu te en imaginons en fait tu te présentes juste après moi en gros et donc du coup pour éviter de dire en gros le des tu vois tu dis mot pour dire bah moi mais aussi je suis également français tu vois. moi je suis dans le futur, hein. Moi je te répondais par rapport à tout à l'heure. Ah oui Et mais même tu vois genre la lecture automatique de Google. Ah oui, c'est vrai que prod, j'ai pas au courant que j'ai fini l'apprentissage des canas il y a environ 4 jours. Ouais, voilà. Donc la lecture, c'est pas ça en fait, tu vois, c'est. Ouais, bon, après, moi, il va me juger. Bon, bref. Donc, du coup, à moi de faire un petit exemple. Je réfléchis vite fait à un prénom. Ok. Vas-y, je peux t'en donner un. Non, c'est bon. Hajimemashite, Minasan. Watashi wa Yami Kuro desu. Kyuju Achi Sai desu. Nihongo. Non, attends, on va changer. Italia. Non. Go to. Fransu go. Gadekimasu. Nihonjin. Des. Yoroshiku onegaishimasu. Bon, après, tu t'es pas cassé le huc, hein, parce que bon. Bah, j'ai mis un prénom et un nom. Contrairement à toi qui a mis Tu qu'un peux me prénom. répéter le prénom que t'as dit, s'il te plaît? Yami Kuro. Le prénom c'est C'est Kuro et le le nom de famille c'est prénom Yami. que t'as dit? Quoi? Attends, j'ai cru le voir il y a pas longtemps, celui-là. Non, je l'ai pas écrit. Oula, attends, parce que du coup. Alors, 2016 il me semble pour moi. Non, 2015 pour moi. 2016, ça fait un mois que j'en fais MDR. Après, il y a eu Gabriel, un flow. Non, Gabriel est arrivé avant moi. Ouais, quand même. Un flow, voilà. Putain, ils vont me casser les pieds à écrire un flow. Eh, gros, je vais te manger. Tu vas te manger un petit ban de 10 minutes hein, si tu continues, ton gueule. Tu as de mes cales, hein. Je sais que t'es en vocal avec moi, mais ça te donne pas le droit de spam, là. Non, mais oh. Eh, gros, je te dis. Vas-y, envoie encore un. Tu te manges un ban. Ça va, je peux encore Ah oui, pardonner. voilà. Ouais, effectivement. Donc du coup voilà, il y a eu. Ça a été banni du chat. Yes. Ah. Bon, bah, plus. Non, 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 hop. Bah, Donc du on se coup, trouvera pour le ré. prochain Non, 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 enfin, non, non, prochain non, non, mois. non, non, il va y avoir un résumé du cours qui est en train d'être fini du Oh, coup. vas-y, je peux le faire. Si tu veux, il n'y a pas de problème, et ensuite il faudra que tu teases du coup le prochain cours en donnant des exemples. Je suis censé avoir le marteau du ban, mais il veut pas me le mettre là. Allez chercher vos potes et trouver des followers, s'il Allez, vous plaît. allez, Torgol. Il faut que je fasse quoi du coup? Tu résumes ce cours, et ensuite tu fais un petit teaser sur le cours que tu vas faire prochainement. Alors, donc aujourd'hui, on a appris la présentation. Bravo les amis, vous avez tous compris le titre. De cette séquence, de cette séance, donc on a appris à donner son prénom, son âge, son métier, la langue qu'on parlait, etc., etc. Nous avons aussi vu la particule mot pour dire avec, non, et voilà, c'est bien, c'est pas si mal. Non, moi c'est avec. C'est avec, j'avais raison, voilà, t'es pas obligé de te remute, j'entends tout, ça fait mal aux oreilles.
On a aussi vu le compteur utilisé pour l'âge, Dan. Ça. T'as dit quoi? Attends, parce que je l'ai pas noté. C'est Sai. Oui, Sai. Voilà. Watashiwa, t'as pas mis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les kanas au-dessus de Watashiwa? Parce qu'on l'a vu dans le cours précédent. Du coup, ce gros flemmard pensait que du coup, on le savait déjà. Voilà. Donc, on a vu que les formules de présentation, hein, Hajime Mashite, Onegaishimasu, etc., etc. Yoroshikai Onegaishimasu. Tu peux être là aussi, c'est... j'aime pas les blancs. S'il vous plaît. Non mais moi je te laisse parler en fait, genre je vais pas te couper en plein milieu en fait. C'est pour ça que je dis rien. Ah mais si. Non, je te coupe si jamais tu dis une connerie, ça oui, mais tant que tu dis pas de conneries, je te laisse parler. Ton ventre peut pas Johnny sur ta plus. Pourquoi me faire frapper? Je veux des arguments là-dessus. Attends. Mais il ira au-dessus parce que t'as dû dire les canards. Ah, j'ai dit y a pas les katakana. T'as dit les canards. Ah. En fait. J'ai dit les canards, je pense, mais c'est vrai. C'est des canards, mais il ira pour pas chipoter, vrai. Ouais. Alors. Aujourd'hui, on a aussi vu un peu de vocabulaire, hein, comme le chien, inu, le chat, neko, le lapin, usagi, le hamster, amu. Souta, la souris, le poisson, le serpent et la tortue. Et on a fait des exercices. Voilà, et bien. On a trouvé les erreurs. Félicitations, du coup. J'ai eu deux images aujourd'hui. Voilà. Du coup, pour avoir résumé le cours, toi en vocal et Kairo à l'écrit, vous récupérez une image. Voilà. Vous avez donc on a trois images. Incroyable. Bravo, félicitations. Parle un coup, là, je rigole. Mais tu veux pas le ban, s'il te plaît? Il me fout mal à l'aise. J'en ai marre. Allez, gros, Frod, calme-toi un peu, là. Tango, attention, déjà, il y a un H. En oui, ouf. Non, eh, oh, oh, oh. C'est gentil, c'est poli, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Ouais, non, alors, les images, c'est surtout en fait pour dire que t'as un bon point. Si tu suis bien, t'es assidu. Bien sûr, ils sont notés nulle part, etc., etc. Si, si, t'inquiète. J'ai une fiche qui est en préparation. Ah, mais t'as mis les kanas au-dessus. Mais les hiragana restent des kanas, en fait. Oui, enfin... Mais attends. Non, mais je sais pas, c'est... La dernière fois que je l'avais croisé, non, Frost, non, parce sympa, que... Hein, non, mais... gros, je sais où elle est, l'erreur. C'est hiragana. Quoi? Hiragana. Oui. Et katakana. En fait, elle est là, ton erreur. T'aurais dit les... C'est pour ça en fait, elle est là ton erreur. C'est parce que en fait, les kanas c'est. Canards, les deux. Non, mais les kanas en fait, c'est spécifiquement en fait pour raccourcir le katakana en fait, le mot katakana. Je viens de capter en fait. Non, non, bon. non. Quand tu apprends les kanas, mais... tu sais hiragana et katakana. Oui, mais en temps normal, quand tu vas désigner un des deux langages, tu vas souvent dire les kanas pour les katas. Oui, souvent, sauf que là, c'était dans le sens voilà, oui, mais l'écriture voilà. Syllabaire japonaise. Mais en soi, voilà. Enfin, voilà, je le dis en tout cas, voilà. Vite, attendez. Hop, dossier. Bon point. Voilà. Hop, ensuite. Hop. Ensuite, dossier texte. Les images. C'est vrai que ça fait à peine un mois que j'y mets, donc en soi... Ça, je veux dire, t'as 30 kanji, tous les kanas, combinaisons, nouvelles combinaisons... Je me dis que c'est pas si mal. Après, passionné, j'en fais, je sais pas, là ça fait un mois consécutif, ça fait exactement 32 jours que j'en fais entre une heure et une heure et demie par jour. Et quand je dis une heure et demie, c'est à réécrire les kanas, les kanji, etc., etc. Sinon, encore, tu peux rajouter la même chose en termes de vidéos pour apprendre, de cours, trucs comme ça. Alors, du coup... Après, il est hiragana et katakana en une semaine, ça dépend de la personne, c'est comme tout. Hein, là, je te fais, j'ai fait, par exemple, tu prends l'exemple, j'ai refait tout le programme de mathématiques d'une classe qui n'était pas à moi en 2 semaines, alors qu'eux, ils ont pris 1 an pour le faire. Ça dépend les facilités, les trucs comme ça. Voilà, comme alors, ça. Du coup, je tiens à préciser, le prochain cours, alors la date au-dessus va changer d'ailleurs,
Le prochain cours ne sera pas tenu du coup la semaine prochaine, mais il sera tenu la semaine d'encore après, mardi du coup, le mardi. Donc il sera 20. tenu le voilà, merci, mardi 20. Voilà, donc je vais le changer sur la date du dessus. Donc voilà, comme ça vous aurez la prochaine date. Voilà. Hop. Pour mardi, du coup, il y aura du coup des docs. Enfin, il y aura un doc du coup pour les cours, et il y aura un doc pour les kanji. Voilà, qu'on aura vu. Avec leur traduction, les romans en romanji aussi également pour ceux qui en ont encore besoin. Bien évidemment, je pense que allez, je vais être gentil. Vu que le 30, j'ai dit que je faisais une petite éval de kanji, le 23, bon non, peut-être pas 23, mais le 24, en début de journée, les romanji vont tous sauter des kanji. Donc du coup, vous aurez plus que la traduction française et la traduction, enfin le kanji en hiragana à la limite. Voilà. Je vous le dis d'avance, comme ça vous êtes au courant. De toute façon, ce sera que dans 2 semaines que sautera les traductions. Mais je me démerde, ne vous inquiétez pas, tout sera fait, tout sera en place. Et je pense que on pourra partir sur de très bonnes bases, en sachant que voilà, je pense que jusque-là, ce cours a pu démontrer à quel point il y a des moments où on galère un petit peu en tant que prof, hein, quand même, même si on prépare son cours. Et voilà. Donc du coup, vous pouvez voir à quel point le chat défile. Ton avatar, là, c'est un mec ou une fille? C'est un mec. Mon avatar, c'est un mec. C'est le gars que j'ai dessiné, qui était à une époque sur ma photo de profil, et qui a des pop parce que j'ai une amie qui a créé un personnage pour moi, d'une histoire que j'écris. Donc voilà. En gros. Voilà. Romanji. Du coup, bon là, vu qu'il n'y a que des conneries, en dehors de Tu toi qui me es héros, passes il n'y a le que des teaser conneries. Oui. Du coup, maintenant que tu as fait tout ça, je te laisse faire le teaser, mon très cher Torgol. là. Ah, le teaser de ton prochain cours, Non, de ton prochain effectivement. cours. Et ça, j'y tiens. Prods, viens vite pour remplacer, s'il te plaît. Franchement, moi je dis, Prod, si tu t'intègres au projet, le prochain cours c'est quand même le sien, parce que il a dit qu'il ferait. Et à partir de là, ce sera toi qui reprendras les rênes Le truc, du c'est coup. que je suis pas à l'aise à présenter quelque chose. Tu vois que dans mes paroles, quand je dois parler tout seul, toi là, quand on est de ça, et quand je dois expliquer tout seul quelque chose, j'ai tellement peur de me tromper, tu vois que je Mais saccage, je t'inquiète, oh, stresse. dans le pire des cas, je te reprends si je sais. Si je sais pas, je te dis, écoute, je Oui, sais pas, mais gros. il y a Prods en fait. Mais Oui, à chaque fois, il est t'inquiète. là. T'as pas Mais le avec time. des excuses, j'ai pas le time. Tant mieux. Ouais, Ok. mais voilà, ouais, mais du coup, si tu peux pas être là le mardi soir, à moins qu'on déplace, on verra. On va en parler, mais si, Ouais, genre, pourquoi en pour. parler, moi Si, aussi, j'ai peur attends, des fois. on en parlera, mais au pire, si jamais. Ouais, mais gros, par exemple, là, t'étais là, tu vois, genre, pour le milieu, fin du cours d'aujourd'hui, mais si vendredi, tu vois, enfin, pas ce prochain, du coup, mais celui d'encore après, t'es là. Assez tôt en vrai, genre tu prends le vendredi, je prends le mardi, comme ça toi tu prépares juste ton cours à chaque fois le week-end, enfin le week-end. En vrai, ce cours-là, j'ai mis 2 heures à le faire. Bon après, voilà. Mais vous en faites pas, vous en faites pas. On va se démerder si jamais Prod intègre le projet. Si jamais il n'intègre pas, on se démerdera avec Torgol très bien comme Mais on ça peut. ne Hein. joue pas de lui, je veux rester un duo en fait finalement. Ah là là, mais t'es casse-pied. Hein. Il a plus à t'apporter que ce que tu penses, sache-le. Et dans Oh tous les ben je cas, le voilà. sais, je le sais totalement, hein, voilà. Non mais il m'aime pas, donc je lui rends bien. Hein. À distance, frère! Ah d'accord. D'accord. Ah non, mais Ouais, je veux le passer aussi, moi hein. je veux Je te le passer passe. mon GLPT5 en décembre prochain. Bah, dans 1 an et quelques mois. Moi j'aimerais le passer en juillet. Bref, c'est pas le sujet. Fais ton résumé du cours s'il te plaît. Oui. Enfin ton teaser. Non, le résumé, je l'ai fait. Ton teaser, Le pardon, ton teaser, teaser. du coup, prochain cours, je pense qu'on fera sur la numération japonaise. Donc, apprendre à compter jusqu'à 9999, ça peut être sympa.
Et si je suis déter, on pourra avoir quelques compteurs comme l'âge qu'on a vu aujourd'hui, etc., etc. Allez, on pourra Bah peut-être même voir si vous payez assez pour les cours les mois de l'année. voilà. Non, vous en faites pas. Au pire, je ferai. Si jamais il y a besoin d'un peu plus, je ferai un petit cours juste après pour les Non, mais compteurs, voilà, précisément, tu si jamais. vois là. J'étais là à chaque fois. Bah là, tu vois, tu m'as laissé parler et t'as vu comment c'était malaisant. Ouais, mais C'est une t'inquiète. honte. Eh, hey, prod! Non! Taras, prod! Ni Non, allez, Sam, hop. Non, non, Yon, non. Tu te manges 10 minutes là-haut. Tu te calmes. Go. Tu fumes Nana, pas le cours, Achi, Taras. Juichi, Tu vas me battre de ton Discord, vas-y. Non, mais en fait, là, on t'entend plus. Ouais, on t'entend plus. Bon, bref. Ouais, parce que genre j'ai dit un teaser, j'ai pas dit Torgol, tu te manges un bunt aussi, allez hop. Tu te prends 10 minutes comme prod. Faites les cons, vous prenez 10 minutes. C'est pas dans le chat qu'il faut. Non mais il a écrit Ichi, je l'ai corrigé une fois, ça va? Ah oui, Tu pardon. fais des bans, s'il te plaît. Ok, ça va, tu te calmes. Par contre, si jamais tu réécris une connerie, voilà. Je Bah peux mince, mettre j'apprendrai modérateur pas les quand noms. même aussi, parce que bon, vu que Bah, j'anime avec toi, donc je vois que c'est pas ouf. attends, en vrai, t'apprendras les nombres, mais pas pour ce cours-là. Parce qu'il est déjà bah, 23h bientôt, et il aimerait quand même un petit peu faire certains trucs, comme RP, voilà. On va faire des choses tous les deux et après on se Mais fera ta fiche. voilà, ouais, il faudra que je fasse ma fiche pour ton RP aussi de l'autre côté. Ouais, voilà, donc du coup, prochain cours le 20, du coup, profitez-en pour réviser, bon, même si pour ceux qui veulent apprendre ici, bon, je vais déban l'autre parce que. Voilà. Bah, merci, Kairo. Voilà. Maintenant, Torgol, hein, si jamais t'as besoin pour créer un cours, hein, tu peux très bien t'aider, hein, t'en fais pas. Mais voilà. Pff, gros, j'ai pas touché à SOT depuis longtemps. Voilà. Mais du coup, voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que ce soit pour la rediff ou pour le live. J'espère que Torgol, toi, ça t'a plu de d'être là. Bah bien sûr, Merci, comme Kero. toujours. J'espère que Kero, ça t'a plu, hein, puisque bah, toi, t'es principalement présent et tu réagissais bien au truc. Après, pour ceux que ça aura pu intéresser, j'espère que bah, du coup, ça vous a intéressé, ou même un petit peu amusé, même si vous n'avez pas forcément participé. Je parle par exemple de Torgol, qui a en vrai participé à l'oral, mais qui a fait le con sur la fin, et de Prods, qui a littéralement fait le con quand il est arrivé. Hein, bon, on va rien dire, hein, voilà. Bref. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée et ceci est la fin du live. Du coup, voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt! Restez, il va y avoir des pubs. J'ai besoin d'argent. Non, je plaisante, vous pouvez partir, mais si vous voulez regarder des pubs, ça va me permettre de gagner un peu d'argent.
Thank you.